Bonjour à tous, bonjour à toutes. Normalement, je vous ai déjà mis une première partie de vidéo iHerb, si tout se passe correctement, parce que comme c'est déjà sur l'ordinateur, j'espère que ça va aller. Sinon, bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous faire une suite parce que j'ai reçu d'autres produits en fait sur le site de. Enfin, j'avais recommandé mes quelques produits sur le site d'iHerb. Et j'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, je voulais commander des produits pour nettoyer, enfin, pour mon lave-vaisselle. Mais je me demande si je ne me suis pas trompée de. Ça a l'air de ça. Ouais. Ça sent très très bon par contre. C'est pour ça que je suis surprise. J'ai l'impression que c'est pour laver le linge. Et puis, je crois pas. Je sais pas. Faut que je vérifie. Bon. Voilà, donc c'est ça, mais j'ai un petit doute là. Je vais regarder l'autre paquet que j'ai à la maison, sinon, bon, c'est pas grave, je l'utiliserai quand même. J'ai commandé mon dentifrice favori de la marque de Jason, qui se présente comme ça. J'adore ce dentifrice. Franchement, le paquet, il est hyper grand. Il se présente comme ça, vraiment, et c'est immense. Donc j'ai pris celui-là, et puis j'en ai repris un autre qui est au titri et à la cannelle. Alors je ne sais pas lequel, parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Moi j'ai pensé, je sais plus où j'en suis maintenant. Ouais, il est hyper fort. On sent vraiment la cannelle. C'est pas le même du tout que j'ai en haut. Celui que j'ai en haut, il a vraiment le goût de clou de girofle. Mais celui-là, il est vraiment beau. Il a vraiment le goût de cannelle, mais vraiment très puissant. C'est pour ça que j'aime ces dentifrices, parce que je suis impressionnée par ce goût. C'est vraiment intense. Et j'adore ça, quoi. Vraiment, j'adore ces dentifrices. Hein. Et celui-là, donc, c'est au titri et à la cannelle. Quoi. Je sais pas si c'est pas celui-là que j'aime bien. C'est celui-là qui est au clou du rofle. Ça dépote. Hein. Ah ouais. Ah non, mais j'adore. Donc celui-là, il est au clou du rofle. C'est celui qui est au titri, à la cannelle. Il a vraiment le goût de clou du rofle, celui-là. Voilà. Et celui-là, il a vraiment le goût de cannelle, quoi. Il est comme ça. Ah non, mais ils sont excellents, ces dentifrices. J'en achète tous les mois. Je passe tous les mois une commande, j'en achète deux parce que je j'ai pas goûté de dentifrice aussi agréable, enfin aussi fort que cela. Voilà. J'ai voulu recommander, c'est de la marque Andalou. J'adore ces masques pour le visage. J'en avais déjà acheté, je les ai terminés. Attendez, faites voir si c'est bien bon. Ah oui, au chocolat. Pourtant, je ne suis pas très masque au chocolat, mais alors celui-là, je l'adore. C'est un masque anti-âge au chocolat dedans. Ça sent le chocolat, tout simplement. Moi, je le mets au frais et j'ai. Oh là, ça sent trop trop bon le chocolat. On a l'impression qu'ils ont mixé une tablette de chocolat et après on la pose sur le visage. C'est hyper agréable. Et c'est très très beau produit. Ouais, mais c'est un super produit que j'adore. J'en ai un dans mon frigo, mais que j'ai pratiquement terminé. Il me reste. Il est à la fin. Donc c'est pour ça que je vais en prendre un autre. Et celui-là aussi, je l'adore. C'est un masque au miel, mais. Je vais vous montrer là. Ils sont bien miel, ils se présentent comme ça. Et celui-là, je trouve hyper efficace. C'est les deux que je préfère en fait dans cette gamme chez Andalou. Vous pouvez aussi les acheter si vous ne connaissez pas ces produits. Le pot coûte 10 euros. Hein. Ces pots coûtent 10 euros. La composition, elle est parfaite. Cette marque, elle est géniale. Franchement, si vous avez envie de tester d'autres produits, que vous avez un petit budget, allez pas acheter des conneries en magasin. Ça, c'est les produits sont nickel. Et celui-là, on sent vraiment les actifs sur la peau. Je sens que ça picote sur mon visage. Je trouve qu'il y a vraiment, quelque chose qui se passe. Et j'adore ce masque, vraiment. Et vous avez ils les vendent aussi en dosette comme ça. Donc là, c'est celui à la rose que j'aime bien aussi.
Mais je vous dis, j'en ai pris un autre qui est masque aux enzymes de fruits, qui est comme ça. Là, ça coûte dans les 2 euros, même pas, je crois, ou 1 euro et quelques, je ne sais plus comment ça coûte, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais vraiment, ils sont super. Et là, vous avez une grosse dose, hein. Vous pouvez les utiliser en 2 fois, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de très très bons produits, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai envoyé un petit message en fait à Sandra de la chaîne Eden Green Beauty. Parce que l'année dernière, elle avait utilisé beaucoup de ces produits. En fait, c'est des sels de bain, des poudres, des huiles pour le bain. Enfin, c'est une poudre, hein, mais dedans, il y a des huiles. Et voilà, c'est pour prendre le bain, pour se relaxer. C'est 100% naturel. Non testé sur les animaux, enfin, vegan, aucun problème. Donc, ça se présente comme ça. C'est de la marque Oracacia. Donc là, on a beaucoup parlé l'année dernière et je n'avais jamais testé. Et là, mon mari, moi je ne suis pas très bas en fait, j'aime bien les douches. Mon mari adore prendre le bain, donc je lui en ai pris pour lui. Donc là, ça sent la lavande. Je pense que c'est pour les enfants, mais bon, on s'en fout, c'est de la lavande. Là, c'est à l'eucalyptus, eucalyptus, enfin il y a 3 plantes dedans, donc on testera ça. Minéral. Aromatique, eucalyptus, balsame, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça se présente comme ça. Donc dedans, il y a des poudres. Hein. Vous mettez un sachet dans le bain et puis et c'est pas cher du tout. Hein. C'était 1 euro et quelques. Voilà, vous en avez une autre ici, c'est aux agrumes, à ylang ylang, au camomille. Ça se présente comme ça. Voilà. Et puis j'en ai pris un autre relaxant à la lavande. Voilà, ça se présente comme ça encore. En tout cas, j'ai hâte de tester ça. Enfin, je prendrai un bain avec mon mari pour tester. Et puis, j'en rachèterai d'autres parce qu'au moins, là, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de, cochonnerie dedans. Et ça sent... Vous voyez, celui-là, là, il est en train de s'ouvrir. Le paquet, il est un peu ouvert. Et je sens bien la lavande. Ça sent vraiment la lavande. Hein. Voilà pour ma... commande iHerb. Je passe une petite commande par mois en général, une commande par mois. Là, j'ai repassé une deuxième commande parce que ma soeur voulait tester ma poudre que je prends tous les matins en complément alimentaire. C'est du collagène avec de la vitamine C et de l'acide hyaluronique. Donc, ma soeur avait très envie d'y tester. Donc, je lui en ai pris un paquet pour elle et un pour les petites. Et voilà, mais sinon, j'adore, une fois par mois, je passe des petites commandes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc, je vous fais une deuxième vidéo iHerb. J'en ai déjà fait une, mais je ne sais pas si je vous la mettrai avant ou si je la mettrai après. Voilà, j'ai passé une première commande. Et comme le colis était trop gros et ça ne passait pas au niveau de la commande, donc il fallait que je repasse une autre commande avec un nouveau colis. Voilà, donc, j'ai commandé cette fois-ci Astaxanthine. Donc, c'est un complément alimentaire qui se présente comme ça. Ça m'avait intéressé. Donc, c'est un produit, un complément alimentaire. Donc, c'est un complément alimentaire. C'est fait à partir de micro-algues. Et c'est un produit, en fait, qui permet de maintenir la santé du cerveau, des yeux, de la peau, du cœur et des articulations. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite cure tout simplement. Donc je ne connais pas du tout ce produit, ça se présente comme ça. Donc c'est vrai que celui-là il fait 26,88 €, mais vous avez dedans 100 vagélules, donc il y en a pour un petit moment, donc c'est très très bien. Le produit était operculé, donc c'est des petites gélules comme ça qui se présentent comme ça. Voilà, donc à voir, je vais tester, je vous en parle juste après. Je me suis dit que ça ne pouvait pas me faire de mal. En fait, comme je prends des somnifères et que j'ai tendance un petit peu à avoir une petite mémoire, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai passé cette petite commande. Ensuite, j'ai voulu recommander, ça c'est un produit que j'adore, que j'utilise tout le temps. C'est de la marque DZ, en plus c'est super bien emballé. Moi, c'est mon bain de douche. Et je l'aime beaucoup parce que il est vraiment très, au niveau du goût, il est assez fort.
Il a vraiment le goût en fait de la cannelle et de la cannelle et de oh, je m'en rappelle plus. C'est au parculé. Du clou de girofle, mais surtout celui-là, surtout de la cannelle. Ça sent beaucoup la cannelle et moi j'adore ce goût. Donc et même la nuit, vous voyez, j'aime bien me lever la nuit pour me faire un petit bain de bouche parce que j'aime pas avoir la bouche pâteuse et j'adore l'utiliser. C'est un produit qui est complètement naturel et vraiment je trouve que ça rafraîchit bien la laine. Enfin, ça rafraîchit bien et je trouve qu'il est vraiment hyper agréable. C'est un produit que je rachète tout le temps avec le dentifrice de la marque Jason. Si je connaissais pas, hein, je me demandais pourquoi on allait commander du dentifrice à l'étranger alors qu'on en a dans nos parapharmacies. Mais j'ai jamais goûté en fait un dentifrice avec ce goût qui est assez fort, qui a un goût vraiment très prononcé. Et je le trouve excellent. J'adore ce dentifrice vraiment et du coup je commande tout le temps le bain de bouche et le dentifrice de la marque Jason parce que j'adore, ils sont super. Voilà. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'avais déjà acheté une première fois. Ouais. Alors voilà, c'est un masque de la marque Andalou Naturals. Donc c'est un masque qui se présente comme ça, qui est à la citrouille. Peut-être que je vous l'ai déjà présenté, je m'en rappelle plus, mais c'est un masque que j'adore. Moi, il me fait penser, en fait, je sais pas si vous vous souvenez des masques Peter Thomas Rock. C'est des petits masques que l'on vendait chez Sephora en petit format. On peut les acheter en grand format qui coûtent super cher. Ce masque, il est complet, il est d'origine naturelle. C'est un très bon masque en fait qui va vraiment nettoyer la peau, qui va enlever toutes les cellules mortes et je l'aime beaucoup. Il a de la vitamine C et vous avez aussi du miel de manuka, il y a de la carotène. Donc en fait ce sont les enzymes de fruits qui vont exfolier votre visage, qui vont vous enlever toutes les cellules mortes et ce qui va permettre après à la peau de se régénérer. Donc c'est un petit masque qui coûte dans les 10, 11 euros et qui coûte vraiment pas cher et que j'aime beaucoup. Et vous avez une peau qui est bien nette derrière. Moi, je le laisse toujours au frigo. Et c'est vrai, après, on a une peau qui est toute fraîche et qui est bien propre, qui est bien nette. Et tout ça, sans grain, ça, c'est super. Si vous avez une peau sensible, vraiment, je vous conseille ce genre de produit. Et en plus, il n'agresse pas du tout le visage. On n'a pas du tout la peau qui tirait juste derrière. Donc, c'est parfait. Ça se présente comme ça. Et vous pouvez aussi le retrouver avec des petites doses comme celle-là, ça coûte dans les 2 euros, hein. Ça coûte 2 euros, c'est vraiment pas cher, et c'est une marque que j'adore. Moi, cette marque Andalou, je connaissais pas, et j'ai commencé à tester pas mal de produits, et c'est vraiment une très belle marque de soins naturels, et il est top. Au niveau de l'odeur, bon, l'odeur, c'est pas une odeur qui est envoûtante, mais c'est un bon produit que j'aime beaucoup. Donc je le rachète à chaque fois, c'est un super produit. Voilà. Ensuite, ça c'est un produit que j'avais déjà acheté une première fois il y a un moment. C'est des petits savons naturels qui sont de la marque Oromer. Ça se présente comme ça. Et celui-là, il est au NEM. Et je l'ai mis dans mon colis parce que, en fait, quand on passe une commande, à partir de 30 euros, 35 euros, je me rappelle plus, ça dépend tout le temps, je sais pas comment il marche. Et on peut avoir les frais de port de gratuit ou sinon on peut vraiment payer 1 euro de frais de port, c'est hyper intéressant. Donc bah, j'ai rajouté le petit savon dedans pour compléter ma commande en fait. Et c'est un savon qui est au NEM, ouais. Et ces petits savons, c'est pareil, ils sont d'origine naturelle, sans OGM, ils sont vegan, ils sont cruelty free, ils sont sans parabènes, ils sont biodégradables. Les petits paquets sont en papier comme ça, donc c'est très bien. Et ils sentent très fort, franchement, ils sentent hyper fort. Et ils coûtent 1 euro et quelques. Ça, c'est vraiment des petits savons. Si vous voulez acheter des petits savons pas chers et naturels, allez-y, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Voilà, donc et ça sent vraiment très fort. J'en avais déjà acheté plein l'autre fois et puis c'est vrai que là j'achète ceux là j'ai racheté les savons de la marque de la manufacture du siècle pour me laver le corps mais ceux-là sont vraiment bien aussi. Enfin, après les odeurs sont pas les mêmes, là c'est vraiment des odeurs de plantes dans la manufacture du siècle, c'est vraiment des odeurs cocooning, réconfortantes. Là, c'est vraiment brut.
c'est limite, vous voyez, des odeurs médicinales, quoi. Donc, mais pour se laver les mains, même pour se laver le corps, hein, c'est que les odeurs ne sont pas les mêmes, mais voilà, c'est un produit, c'est une bonne marque. Vous avez dedans, en premier ingrédient, de la noix de coco, de l'huile de coco, de la vitamine E, du cactus. Bon, c'est marqué en anglais, je ne comprends rien, donc voilà. Donc, si vous ne connaissez pas cette marque, essayez sur Ayerb. Et puis, pour terminer, j'ai passé une commande aussi pour ça. C'est pour ça que je voulais commander. Je l'ai vu sur la chaîne, dans ses produits terminés, une youtubeuse que j'adore. Je vous mettrai le lien, le nom, juste à côté. Bon, bref, j'ai un trou de mémoire. Donc, c'est un gommage pour... Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de gommage. J'ai fait toujours, en fait, mes gommages avec mon marc de café à la maison. Donc, j'en achète pas. Mais là, elle en avait dit tellement du bien. Et puis, franchement, c'est une marque qui n'est pas très chère du tout. Je crois que je l'avais payé dans les 10 euros aussi. Donc, le prix était vraiment intéressant. C'est pareil, une marque... le produit est d'origine naturelle. Et alors, c'est un gommage avec des grains de sucre, je crois. Ingrédients, sucre, voilà. C'est un gommage au sucre. Alors, je vais le tester. Je n'ai jamais, jamais testé cette marque. Apparemment, les gels douche sont vraiment bien. Les savons aussi de la marque. Donc, je pense que je passerai une petite commande aussi pour ça. Et ils ne sont pas très chers. Ça sent très bon. Ouais, ça sent super bon. Et ouais, le sucre est quand même assez... Ouais, ça exfolie bien en fait la peau. Et ça sent, ouais, ça sent vraiment très. Oula, oh là là, ça glisse. Ça sent vraiment très bon. Donc c'est un gommage à la mangue que j'ai hâte de tester. Voilà, je l'ai acheté pour moi et puis je l'ai aussi acheté pour ma fille parce que c'est vrai que le problème avec le marc de café, c'est que on est presque limite d'en récupérer juste avant de se faire notre gommage. Parce que sinon, si vous laissez dans un bocal, dans la salle de bain, en fait, il moisit. Donc, il faut vraiment le faire régulièrement, le changer régulièrement. Et des fois, j'ai pas trop le temps. Des fois, même, j'y pense pas. Je me décide à faire un gommage, en fait, à la dernière minute. Et puis après, je me retrouve, je dis, mince, bon, ben, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Voilà, donc, je vais essayer celui-là. Il est pas cher, il sent super bon. Scrub, le body scrub. Mangue de la marque, et là c'est la marque. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà pour ma petite commande. Vous voyez, hein, les commandes sont petites. À chaque fois que je commence sur ce site, des fois j'ai envie de remplir mon panier, de mettre plein de choses, et on peut pas, ça passe pas au niveau des au niveau du poids. Ça bloque tout. On est obligé d'en fait de faire plusieurs colis. Bon, c'est un petit peu, bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais voilà, on est obligé de passer plusieurs commandes. Bah, c'est pas grave, mais si, quand même, c'est un petit peu contraignant parce que, vous voyez, s'il vous manque un produit, vous êtes obligé de repasser une deuxième commande et de remplir encore votre deuxième colis pour faire les 30 euros d'achat. Donc, bah, vous commandez un peu plus, quoi. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà pour ma petite commande. Bah, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Vous avez juste en bas une petite clochette. Cliquez dessus et ça vous permettra en fait de recevoir à chaque fois une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos, il n'y a aucun problème. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.